Yo tout le monde, c'est Skoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur 60 secondes. C'est le genre de petit jeu basique qui a l'air vraiment trop bien. On prend Ted et Bill. Pas drôle. On va se mettre en difficulté moyenne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live. Je vais lancer un live sur ce jeu, il y aura peut-être une personne. Du coup suivez-moi sur Instagram, comme ça je fais un sondage à quelle heure vous pouvez être là. Ok ok. Je prends mon fils, ça peut être cool. C'est où qu'il faut les mettre? Hop là là, 3 soupes. Il va pas très vite hein. Je prends ma femme. Enfin je crois que c'est ma fille. Ma femme. Ah, il n'y a pas assez de place. Vite, vite, vite. Il manque pas mon fils par hasard? Oh, j'ai déjà perdu. Fin. J'ai pas joué. Fin. On recommence. Viens, viens. Là. Toi, viens. Huit soupes, quatre trucs d'eau, une hache. On a une carte. Ok. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. Dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. J'ai regardé un peu les lives. Faut pas qu'un des parents meure sinon on en a perdu. Par contre, les petits, ils peuvent mourir en bas les couilles. La zone encore radioactive. Sortir maintenant n'est pas sûr. Sauf si, bien sûr, on voulait tomber malade. On a tout. On a de la soupe. On a de l'eau. Je veux dire, là, on est bien tranquille. Je vais donner une ratio à tout le monde. Hop là. Il ne va pas bien. Il faudrait aller lui parler pour le consoler. Let's go. Mary Jane est au meilleur de sa forme. Hop là, on envoie Mary Jane. Je donne des rations à tout le monde, je donne de la soupe. Qui mangerait aujourd'hui? Personne. Toi, tu sors avec un masque à gaz. Vous avez ces gouttes d'eau au plafond, pourquoi il y a des mares mouillées? Hop là, on prend la carte. Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau. Attends, t'as besoin de manger ou t'as besoin d'eau? L'anniversaire de Timmy aujourd'hui, comme l'année dernière, on a attendu le dernier moment pour lui offrir son cadeau cette année. Frère, on va pas lui offrir le kit de médical, gros fou. Vas-y, on donne à tout le monde, mec. Ted a le ventre qui gargouille. Timmy est affamé, Torres n'a pas mangé plus. Mais d'accord, j'ai donné à tout le monde. Nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière. Mais est-ce que bonne idée de l'ouvrir? Vas-y, ouvre-le. Hein. Yes, on a reçu une soupe. Ah, elle est là, oui, enfin. Elle a ramené 3 bouteilles d'eau. Oh, ça c'est stylé. 2 soupes, un cadenas, une valise. Hop là, hop là. Timmy en bonne santé et plein d'optimisme. On envoie Timmy. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri. Quel autre bout du fil? On n'a pas de téléphone, on n'a rien. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Faut jamais envoyer les parents. Tu pars avec une hache. Quand ils commenceront à être mal, je leur donnerai de la bombe. On va s'amuser à un jeu entre 7 et 77 ans. On a voulu dessiner une marelle, on avait de place que pour faire une case. On va donner de l'eau à tout le monde. On admirait le paysage radioactif lorsque nous avons aperçu une jeune femme en habit de camouflage. Elle portait un fusil imposant et prétend être une chasseuse à la recherche d'une énorme araignée mutante. Quoi? Bah, on n'a pas de munitions. Genre. Un marchand ambulant du nom de Willy nous a rendu visite aujourd'hui. On échange le damier. Hop là, on a gagné de l'eau. Regen est affamé. Je donne à tout le monde, les gars. Je donne de l'eau à tout le monde quand il revient. On a trouvé de l'eau sous ce qu'il restait de l'évier de la cuisine. On dirait que Ted a déjà un pied sous la tombe. Il faut qu'il boive. Mary Jane a besoin d'un peu de repos, mais elle peut le faire. On va attendre quelques jours et on va envoyer Mary Jane. Je donne à tout le monde sauf à toi. Tu viens d'arriver. T'as déjà bu et mangé. Mary Jane a toujours été joyeuse, mais elle a l'air un peu triste aujourd'hui. C'est comme musique lui manque. Doit-on la laisser sortir? Non, c'est toujours radioactif. Risquer sa vie pour un tuba, c'est de la folie. Si c'était une guitare ou même une trompette, mais un tuba. Risquer sa vie pour un instrument, déjà non. En vrai, on n'a aucune arme. Imagine, il y a un mec qui rentre, là, on est tous morts. Je donne de la soupe et de l'eau. Le rongeur, il a bouffé un truc de soupe entier. En vrai, de vrai, on est obligé de sortir avec un masque à gaz. Elle, non. Elle est pas épuisée, elle. Ok, on envoie Mary Jane. Nous avons pénétré dans la maison de Ned et avoir trouvé le coffre-fort. Quoi? On a trouvé que ça. On a trouvé 2 soupes stylées. On pourrait peut-être simplement rouler loin de ce cauchemar. Évidemment, la plupart des automobiles est complètement brûlée. Imagine, on peut prendre une voiture et se barrer. On donne à tout le monde. Timmy peut le faire, il peut survivre à la surface. On envoie Timmy. Nous ne savons pas si ce sont des graines de légumes, on peut essayer. Devons-nous utiliser un peu d'eau pour faire pousser notre potager? Bah, clairement. Hein. J'espère que c'est vraiment un peu d'eau parce qu'on a que 3 bouteilles. Mais Ted a faim, je m'en bats les couilles, j'ai donné à bouffer hier à tout le monde. On envoie encore Mary Jane. Que lui nous a rendu visite, il nous a fait une offre contre une simple boîte de soupe. Il nous offre le sac et tout ce qu'il contient. Un chat. Ok. Timmy et Ted, on leur donne... Nous étions sur le point de nous coucher lorsque nous avons entendu frapper à la porte. On lui jette l'insecticide sur la gueule. Cadenas, il va peut-être le casser. Teaser l'insecticide était une bonne idée, on a réussi à ralentir les pierres. Pour dérober nos boîtes de soupe, le reste ne va pas tenir sans eau. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas aujourd'hui, ça risque de finir mal. Aujourd'hui, un jeune homme est venu frapper à la porte pour nous demander de l'aide. Il demande de l'aider à retrouver sa sœur jumelle disparue. Dolores n'a pas rangé depuis longtemps. Je donne de la bouffe et elle part. On a retrouvé sa sœur et affronté les pierres pour la sortir de là. En jouant dans l'abri, Charikov a trouvé une petite boîte en bois qui était cachée derrière les briques. J'ai bombe d'insecticide. La plante de Mary Jane a poussé à une vitesse folle. Récolter ses fruits exotiques. Je sais pas. Hein. Oh ouais! Bien joué, le coup de la plante, nous avons réussi à remplir 4 boîtes de soupe grâce à elle. Elle semble avoir développé une allergie à notre invité à poil. Et bah, on le tue? On a fait tout ça juste pour une boîte de soupe. Elle est sortie pendant tarpin longtemps pour apporter une soupe. Timmy peut le faire, il peut survivre. Allez, let's go. Ted n'a pas l'air de s'arranger. Mary Jane est affamée. Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane? On s'en fout si elle meurt.
lui donne à bouffer. Lui, je le soigne. Je crois qu'il y a plus de trucs toxiques. Toi, tu sors avec une carte. Je crois qu'elle est morte, hein. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation. Marie-Jane avait rendez-vous avec un jeune Pierre et l'aurait rencontré lors d'une expédition. Marie-Jane a demandé si elle pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser. Bah ouais, genre. Quand Marie-Jane a appris qu'elle n'aurait encore rien à boire aujourd'hui, elle a été prise d'un accès de fureur et est sortie. Oh putain, bah elle va mourir. On s'est abusé qu'on en a rien. Tellement, on peut tellement gagner 4 bouteilles d'eau. Faut qu'il rentre avec de l'eau. Je sens que demain il va mourir. Voilà. Ah bah tu reviens pile quand il meurt. Peut-être que si on prend la carte, ça fait qu'il va durer plus longtemps. Je vais faire un épisode 2 de ce jeu en live. Il faut que vous me suivez sur Instagram. Comme ça vous décidez à quelle heure vous pouvez être là pour le live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner en mettant la cloche. C'est important. Et partagez à vos potes s'il vous plaît, ça ferait extrêmement plaisir. Salut.